Si tu as besoin de crédit, va sur fastfutcoins.com. Le lien est dans la description. Utilise le code Clopi pour avoir 5% de réduction. C'est 100% fiable et c'est ultra rapide. Eh bien salut les amis, c'est Clopi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma série L'Incroyable Hulk Tots. Donc les gars, c'est l'épisode 3. Je vous l'avais promis que je le sortirais aujourd'hui si j'avais beaucoup de likes sur ma vidéo précédente. Donc voilà, on s'était quitté sur l'achat de Mario Fernandez, si je dis pas de bêtises. Il y en a beaucoup qui avaient dit dans les commentaires que je devais prendre le gardien, mais vu qu'il m'avait fait un sacré match avec une note de 9,9, je voulais pas le changer. Et puis on verra bien par la suite quel gardien je vais choisir. Pour l'instant on va continuer comme ça, et puis voilà, on est là pour s'amuser, pour rigoler, on s'en fout si on a un très bon gardien ou pas. Donc voilà, on se retrouve pour le premier match, c'est parti. Donc pour ce premier match, je vais pas être en live parce que mon Elgato a bugué, et on va tomber contre une équipe brésilienne. Donc il y a du Neymar, il y a du Jadson, du Lucas, du Lima. Et c'est lui qui va se procurer la première occasion avec Lima. Il va centrer sur Neymar et là voilà, ça fait 1-0. Donc franchement dans ce match ça va être très très dur face à son équipe, parce que là voilà, Jadson il repart. Mon gardien, heureusement pour moi, il est sorti dans les pieds, il a réussi à capter le ballon. Mais ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite pour moi. Neymar qui est encore parti dans le dos de ma défense. Voilà le petit lob, très très beau but. Très très beau geste en finesse, et là il se permet le petit moonwalk de Michael Jackson, tranquille. Donc voilà, on continue, et là c'est Jadson qui va venir planter son but, donc déjà 3-0, donc pour l'instant on se prend une carotte, on se fait humilier, tout va bien. Et là Hulk qui va essayer de contrer un peu tout ce qu'il nous fait, malheureusement du pied droit il fait pas grand chose. Et là regardez, mon gardien va lancer sur mon joueur va contrôler comme une merde, et ça fait 4-0, voilà, la fête continue les amis, c'était nouveau Neymar. Donc voilà, Neymar, Jadson, ils ont fait les shows. Et là, Hulk qui va tenter un long shoot un petit peu. Et voilà, avec la chance, ça finit au fond. Bon, le but, il est pas superbe, mais voilà, ça sauve l'honneur un petit peu. Donc vous avez vu, hein, j'ai choisi les maillots verts comme vous m'avez dit. J'ai mis numéro 10 à Hulk comme vous m'avez dit. Là, une lourde frappe de Hulk. Malheureusement, c'est encore sorti par son goal. En plus, son gardien, il me faisait un très beau match. Et là, regardez le très beau ballon que Neymar reçoit. Et bien sûr, la sanction est immédiate puisque ma défense a la 42 vitesse. Et Neymar, voilà, vous savez ce que ça fait. Ça fait la diff. Donc voilà, le match est fini. On se retrouve avec Neymar et Jadson dans l'équipe. A tout de suite, les amis. Donc les gars, c'est reparti pour les 8e de finale parce que voilà, on a échoué en demi normal. Et donc, nous avons acheté Jadson et Neymar. J'avais même pas remarqué, mais en fait, ça faisait un lien parfait avec Tello et Neymar. Donc, regardez, Neymar 9 de collectif, Tello 9, Hulk 10. Après, Jadson n'a que 6. Mais autrement, voilà, c'est plutôt pas mal. On va un peu changer, voilà, on a 2 joueurs, 5 étoiles. Donc, il y a moyen de faire des skills, même si je suis pas un pro, ça vous le savez. Donc, on se retrouve dès qu'on a notre adversaire, les amis. Donc nous voilà partis pour les 8e à nouveau. Oula, Test, une équipe qui s'appelle Test qui a 85 de général. Ah ouais, d'accord, t'es comme ça toi. Robben, Zlatan l'avait dit en attaque. Rien que ça. Pour Neymar, bien vu. Neymar, allez, 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 allez. Non. Oh putain, on est dans la merde. On est dans la merde, on est dans la merde. Centre pas. Oh oui. Oh non. Bon, c'est Ezekiel l'avait dit, c'est pas grave, mais putain, dommage quoi. Jadson, allez. Romulo, pour Christian Tello, on n'a pas le choix, il faut centrer. Oh oui! Non! La reprise de Romulo! Non! Non! Ça va, c'est pas Zlatan parce qu'il a tenté une retournée de ouf. Mais l'avait dit quoi, il nous fait mal. Bon, c'est à chaque fois le même, mais. Mon gardien là il peut essayer un truc, je sais pas, putain il se branle ou quoi. Allez Hulk, vas-y. Vas-y tout seul. Tout seul. Neymar, tu suis. Il n'y a pas d'hors-jeu, c'est bien joué. C'est dégueulasse mais c'est comme ça. On revient un petit peu au score avant la pause, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux que rien. Il y a Neymar qui est parti. Non, Neymar, oh oui. Christian Tello aussi. Repique. Marc. Non, mais c'est pas possible de l'arrêter, c'est la Lloris, t'abuses. Là, franchement, t'abuses, frère. Allez, Cazorla. Oui, il lobe tout le monde. Magnifique, c'est qui? C'est Romulo. Putain, il a sorti le goal, je l'ai fait arriver au deuxième poteau. Et voilà, ça fait 2 partout. C'est bien, ça. Ah oui, Neymar, c'est très bien, ça. Neymar. Neymar, mais là. Yes, putain, on prend l'avantage. Voilà, on intercepte le ballon. Neymar, il vient, il respecte plus rien, il frappe. 3-2, c'est bien ça. Face à Zlatan. Non, Zlatan. Putain, Zlatan a marqué.
Zlatan Ibrahimovic, golasso. Oh là là, putain. On va casser la tirelire, les mecs. Allez, Hulk, c'est bien joué, ça. Neymar. Neymar, tente la frappe. C'est le poteau, sa mère, putain. Oh là. S'il marque sur le contre. Bien, lui, il a laissé aucune chance à la Vezzi. Il l'a découpé. Mais quand je dis découpé, il l'a tué. Oh oui, magnifique. L'enchaînement est magnifique. Faut que ça finisse au fond. Et c'est l'incroyable Hulk qui va nous donner la victoire à la 90e minute. Le jeu collectif, il était parfait. Il était parfait, là. Une touche de balle à la fin. Bon, là, on a eu de la chance. On a eu de la chance, mais voilà, Hulk qui place du pied gauche. Si on gagne face à cette équipe, c'est déjà pas mal. Bon, il va falloir quand même débourser une sacrée somme de crédit pour la suite. Mais c'est déjà pas mal si on gagne. Yes, les mecs, la victoire est dans la poche. On aura su résister quand même une équipe monstrueuse. Malheureusement, il va falloir acheter Ibrahimovic. Bon, c'est une bonne chose pour l'équipe. Mais pour le porte-monnaie, c'est un peu moins bien. Allez, c'est pas grave, hein. On a gagné, donc on est qualifié pour les quarts. Donc on se retrouve tout de suite pour le prochain match. Mais d'abord, il va falloir passer sur le marché pour claquer beaucoup de crédit. Donc les gars, c'est parti pour les quarts de finale. On est allé acheter Zlatan Ibrahimovic et Ezequiel Lavezzi. Autant pour vous dire, on en a eu pour une sacrée paye. Donc 910 000 crédits. Et Lavezzi, 13 000 crédits, ça va encore. Donc voilà, j'ai changé un peu la compo de l'équipe. J'ai fait un 4-3-2-1 pour que Zlatan ait 9 de collectif, Hulk a 9 de collectif, tout le côté droit à 9, et après autrement, le reste est un peu moisi. Donc c'est parti pour les quarts de finale, les amis. Oula, une Bundesliga d'après le nom de l'équipe, 84 de général. Putain, mais pourquoi vous mettez tous Robben? C'est pas possible. Robben, Lewandowski... Ouais, mais les attaquants, là, ils me serviront à rien. Si... On va se mettre un cran plus bas que normalement. Non, on lui donne déjà le ballon. Et voilà, Lewandowski qui marque. Je peux l'acheter, hein, mais je l'utiliserai pas, ça me sert à rien. Ça me sert strictement à rien, vu les joueurs que j'ai. Allez, Romulo. Pour Santi Cazorla. Ah, oh, dommage, il a tenté le lob, c'était bien joué, ça. Romulo frappe. Oh putain, mais Neuer, t'es sérieux? Zlatan. Hulk. Pour Zlatan, nouveau. Là, il y a but, c'est obligatoire. Oh là là, la patate de Zlatan Ibrahimovic. On recolle au score. C'est bien joué. Faute. Non, Lewandowski, ciao. Mais mon gardien, regardez. Il regarde ce qui se passe. Il laisse faire. Il laisse faire. Il regarde juste ce qui se passe. Oh ben, Meyang, il passe comme il veut. Voilà, Lewandowski, le triplé. But dégueulasse, comme Kloppy. Casse-toi. Mais voilà, putain. Et qu'il n'y en a pas un dans les commentaires qui me dit je sais pas défendre. Avec la défense de chiasse que j'ai. Romulo. Pour Ezequiel. Marc, s'il te plaît, l'avait dit. Bien joué. Tu t'es retourné. Frappe du pied gauche. 4-2. Le match n'est pas encore fini. Vas-y, Romulo. Santi Cazorla, Marc. Yes, c'est bon ça, 4-3, je vous avais dit que le match n'est pas terminé les gars. Jadson, tu vas centrer sur Ibra, on s'en fout. Normalement là, il y a but, c'est obligatoire. Putain, même ça, ça marche pas, c'est pas possible. L'avait dit, Allié celle-là. Bien sûr qu'Allié, voilà, on est revenu. 4 buts partout. Non, Obam. Oui, bien sûr, Aubameyang, du pied gauche, il te met ça. Quand moi, je l'utilise, même du pied droit, il s'est pas tiré. Bien défendu, bien mon goal. Non. N'importe quoi. J'ai compris. Zlatan Ibrahimovic, c'est bien joué ça pourtant. Voilà, c'est pas encore fini le match. Si, 87ème. Là, l'action est parfaite. Hein. Une touche de balle. La petite balle piquée pour Zlatan. C'est encore faisable. L'avait dit, on t'a vu partir. J'espère que, voilà, il t'a aussi vu, c'est bon. Parfait. Ezequiel l'avait dit. Le centre pour Hulk. La tête. L'avait dit. Et bim, l'égalisation. Voilà. Perdez 6-4 et on revient. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dégueulasse, mais je m'en fous. Tente ta frappe. C'est sorti en corner. Oh, Lancashire, bien vite. Lewandowski, putain, il en met encore un cinquième.
C'est pas possible. Putain, mais c'est quoi cette défense d'Andic là aussi? Lewandowski. Il marque même pas comme ça. En vrai, c'est... Ah, mais c'est... je vais pas rager, je vais rien dire. Je vais rester zen, les mecs. On n'est pas là pour se prendre la tête. Tranquille. Hulk! Oui! On y croit! On y croit, t'as mis le même avant, on y croit, il reste 3 minutes. 3 minutes! 2 minutes, temps additionnel, si c'est possible. Ah non, c'est pas possible à cause de ce jeu de merde. Allez, la fin du match est sifflée, les amis, voilà. 9 à 7. C'est un match de ouf. C'est un match de ouf, donc il suffit d'acheter Aubameyang et Lewandowski. Donc on aura perdu, mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, les mecs. J'espère que cette série vous plaît quand même, à ceux qui n'étaient pas, en tout cas, ceux qui n'avaient pas envie de la regarder. J'espère que ça vous plaît quand même. Pensez à liker, les gars. Plus vite il y aura j'aime, plus vite je vous posterai le prochain épisode, même si vous savez que je privilégie la série gagnée, sinon rien. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi-le dans les commentaires. Likez. Moi, je vous dis à très vite. C'était Clopy. Bye tout le monde.